Ok, ça fait 2 jours que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube. J'avais beaucoup de travaux d'école à faire là. Mais je me reprends aujourd'hui là, je vous fais un tour de magie, puis je vais utiliser des cartes géantes là, ça va peut-être être plus facile à voir. Donc c'était un assez bon tour. Puis je vous ferai l'explication à la fin. Fait que vous me verrez plus la face là, vous verrez juste les cartes. Je vais faire ça sur le plancher là parce que c'est, je pourrais pas brasser comme ça ou peu importe. Donc je vais vous mettre ça sur le plancher. Donc finalement j'ai décidé que j'allais le faire avec les petites cartes. Je vous ferai l'explication avec les grosses cartes sûrement. Mais ouais, j'ai essayé avec les grosses cartes. Puis bon, la dextérité avec les grosses cartes là, c'est un peu plus dur. Donc je vous montre. Bon, c'est un paquet bien mélangé là. Là, vous voyez, tout est bien mélangé. Il n'y a pas de d'anomalie, peu importe. Donc, on va couper en deux le paquet. Habituellement, je vous dis, le magicien ne touche pas les cartes. C'est les spectateurs, en fait, qui vont faire le tour par eux-mêmes. Donc, on sépare les paquets en deux pour qu'il y en ait un à chacun des spectateurs. Donc, s'il y en a deux, bon, c'est deux. S'il y en a trois, c'est quand même deux parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, vous voyez ici, c'est bien mélangé. Donc, chacun des spectateurs peut mélanger autant qu'il le peut. Donc, ça va bien mieux mélanger avec des petites cartes qui vont être des grosses cartes. Je peux vous montrer en même temps les sortes de mélange. Donc, je vais vous montrer. Bon, vous avez la mélange à la française, comme ça ici. Voilà. Vous avez le mélange américain, comme ça ici. Je sais pas si vous avez bien vu. Bon, peu importe. Allez, donc voilà. Vous avez le mélange belge, comme ça ici. Voilà. Puis vous avez le mélange à la russe. Voilà, comme ceci. Donc vous mélangez bien les deux paquets. En fait, c'est les spectateurs qui mélangent. Ils mélangent autant de fois qu'ils veulent. Donc quand, par exemple, ici, on a fini de mélanger, le spectateur prend une partie du paquet. Ça peut être la moitié, ça peut être un quart, ça peut être l'entièreté du paquet ou bien juste une carte. Puis, bon, à peu près la moitié, il le retourne sur l'autre paquet. Ensuite, les spectateurs mélangent. Donc, il y a des cartes face cachées, d'autres face vers le haut. Quand il finit de mélanger, il prend la moitié du paquet, le retourne sur l'autre. Bon, vous le faites le nombre de fois que vous voulez, là, vraiment, ça change absolument rien. Le nombre de fois que vous le faisiez, là. Vous pouvez le faire 1000 fois comme. Une seule fois comme vous voulez. Puis voyons, là c'est la première fois que je l'ai fait, donc je sais pas qu'est-ce que ça donne. Donc là vous voyez on a vraiment des cartes bien dispersées. Ok, puis voilà, vous pouvez retourner. Mais, okay, un par-dessus l'autre. J'espère pas faire d'erreur. Vous voyez pas tout le temps. Je vais vous le refaire. Voilà, donc on a des cartes retournées, puis des cartes dans l'autre sens. Tout bien. Puis j'ai mes prédictions ici. J'en ai 5 en tout. J'aurais dû les numéroter, là, je ne les ai pas numérotés. Ok, c'est vide. Ça, je sais que c'est les dernières. Ok, première prédiction. Il va avoir 24 cartes retournées. Bon, j'écris un peu mal, là. Donc, on a 24 cartes retournées ici. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est parfait. Celui qu'on n'a pas utilisé, on va pouvoir le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Ensuite, on prend une deuxième prédiction. Donc, 11 rouges, 13 noirs. Voilà. 11 rouges, 13 noirs. On peut regarder. Donc, on va compter les noirs. Il y en a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puis, j'ai dit 11 rouges. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24 moins 13, de toute façon, ça donne 11. Troisième prédiction. Donc, pour les noirs, il y a 5 figures, puis pour les rouges, aucune figure. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, pour les noirs, 5 figures. 1, 2, 3, 4, 5. Puis pour les rouges, aucune figure. Voilà, vous voyez. Aucune figure. Ok. Ensuite, une autre prédiction. Celle-là ici, la quatrième. Bon, comme je dis habituellement, je les aurais notées de 1 à 5 pour les ouvrir l'une après l'autre. Puis encore à ce moment-là, ça peut être les spectateurs qui utilisent les cartes et les prédictions. Donc, pour les rouges, on a 5 paires et sauf une. Donc les rouges, il y a 5 paires sauf une. On tasse les noirs. Les rouges, 5 paires sauf une. On va les laisser comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 paires sauf une. Et puis la dernière prédiction, la numéro 5, le 5 de cœur. Et voilà, puis on voit que c'est le 5 de cœur. Et bien. Oh putain, je suis pas en place. Ok, 5 de cœur. Parfait. Donc, je vais mettre les cartes de côté, puis je vous montre avec les grosses cartes comment préparer le tour. Ok, donc en fait, vous écrivez les mêmes prédictions que moi. Ça devrait bien marcher comme ça. Sinon, si vous les faites d'une autre façon, vous préparez comme vous voulez. Donc, premièrement, vous utilisez les prédictions. Donc, premièrement, vous avez besoin de 24 cartes d'un côté. On a dit qu'on avait besoin de 5. 5 figures noires. Donc, vous le faites comme vous voulez. Utilisez le roi de trèfle, je vous le conseille. Donc, 2, 3, 4. Allez, une cinquième. C'est un dernier. Il en manque une. Ça va être la dernière, quoi. Ok, 5. Donc, ça nous prend 5 figures noires. Donc, on a ça ici. On l'a de côté. Puis, en tout, il y avait 13 noirs. Donc 13 moins 5, 8. Donc ça nous prend 8 noirs qui ne sont pas des figures. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous les mettez de côté. Voilà. Pour les rouges, ça nous prend 11 rouges, incluant 5 paires, puis le 5 de cœur.
Prenez pas de figure pour les rouges, là, on a dit qu'on n'en prenait pas. Donc, par exemple, le 3, le 4, le 2, le 1, par exemple, et le 10. Ok, je suis bien éparpillé, hein. Ouais, ça, on a une paire. On va prendre les 6 sous les balances. Voilà, le bordel. Le 5 de cœur, on a besoin, on peut la mettre dans la pile de noir si on veut. Le deuxième 10. Le 3, le 2, puis c'est tout bon. Donc, n'oubliez pas de vérifier vos cartes à la fin, là, juste pour être sûr que vous avez les bonnes cartes. Vous pouvez le faire avec les petites cartes là, si vous n'avez pas de grosses cartes. Donc, le 5 de cœur. Puis, si on regarde, on a une paire, deux paires, trois paires, quatre paires et cinq paires. Parfait. Donc, on met tout ça dans une pile, puis les autres dans l'autre pile. Vous essayez de mélanger ensuite les cartes qu'on a gardées de côté, donc toutes celles qu'on a préparées. Bon, là, vous essayez de mélanger comme vous voulez, là. Là, c'est sûr que c'est dur avec des grosses cartes. Avec des petites cartes, c'est beaucoup plus facile. Ok, bon, admettons que c'est mélangé. Vous mettez le roi de trèfle sur le dessus pour avoir un coin de repère quand on va séparer les cartes. Puis vous mettez le deuxième paquet par-dessus. Bon, là, le tour peut commencer. Donc, vous étalez comme il faut pour que vous puissiez voir le roi de trèfle. Bon, là, c'est sûr que c'est dur à étaler, là. Bon, par exemple, que. Bon, là, vous avez, par exemple, bien étalé. Vous trouvez le roi de trèfle. Vous séparez le paquet. Prenez comme ça ici. Donc, les spectateurs ne le savent pas que vous avez préparé. Donc, il y a un spectateur qui va avoir les cartes préparées et l'autre pas préparées. Là, le spectateur, bon, vous pouvez retourner les paquets. Le spectateur brasse. Bon, c'est bien mélangé. Ici, brasse. Voilà, bien mélangé. Donc, quand vous avez mélangé, il prend n'importe quel paquet. Là, vous prenez une partie, vous le retournez comme ceci. On mélange. Voilà, c'est bien mélangé. On prend une partie, on le retourne. Voilà, on mélange. Bon, le mélange, je les fais vraiment pas beaucoup là, mais bon, mettons mélanger comme du monde. Puis, bon, vous mettez, voilà, j'étale le paquet ici. Puis, vous étalez l'autre paquet là, voir. Le roi de trèfle est où? Si vous ne voyez pas le roi de trèfle, voilà, ok, c'est parfait comme ça. Vous reprenez les cartes là. Donc, on n'a pas vu le roi de trèfle, ça veut dire que le roi de trèfle il est face cachée. Donc, vous gardez le paquet dans ce sens-là. Si vous aviez vu le roi de trèfle, vous auriez retourné le paquet pour qu'il soit caché. Donc, là, vous sortez vos prédictions. Voilà, donc 24 retournées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai mal fait là, mais bon, vous avez compris là, il y en aurait 24, puis vous gardez ce paquet-là, puis vous faites vos autres prédictions. Je sais pas pourquoi moi, ça a jamais marché avec les grosses cartes. Bon,
En fait, là, avec les petites cartes, là, ça va être plus facile pour moi. Donc, c'est ça mon tour de magie. J'espère que vous aurez apprécié mon tour de magie. Je sais pas si j'ai bien expliqué, puis si ça a bien filmé là. Je fais le montage, ça ne me tente pas de le refilmer. J'espère que ça aura valu pour les 2 jours que j'ai pas fait de tour là. Celui-là, il est assez complexe, puis il est assez impressionnant quand le spectateur connaît pas le tour. Bon là, je pense pas faire des vidéos à chaque jour parce que c'est la fin de la session ici au Cégep. Donc, je vais essayer d'en faire le plus souvent possible. C'est sûr que les idées me manquent aussi. Donc, si vous avez apprécié, abonnez-vous comme d'habitude. Lâchez un petit pouce bleu. Puis, à la prochaine. Ciao!